pars déjà? Oui. Je croyais que tu commençais plus tard le mardi. Les horaires ont changé. Ah ouais? Eh oui, ça t'embête, hein? Je m'en fous. Alors pourquoi tu me demandes? Pour voir comment tu vas mentir. De ce côté-là, on est au moins à égalité, non? Vas-y, si c'est moi, ça va raccrocher comme d'habitude. Allô, oui. C'est pour toi. Allô? Non, c'est fini. Allez-y. Vous gênez pas, je m'en fous. Désolée, mais ça prend plus. Non, j'ai plus peur. D'ailleurs, j'ai décidé de voir la police. Je dirai tout. J'ai plus rien à perdre, mais vous si. Fini la boule d'or. Bye bye. J'irai vous voir en prison. C'était qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as des ennuis? Mes ennuis viennent de toi. Les autres à côté me paraissent légers, tu peux pas imaginer. Puisque tu le prends sur ce ton. Tu voudrais que je sifflote? D'accord, bonjour Lorméance, mais excuse-moi, mais il faut que j'y aille. C'est ça, vas-y. Et embrasse-la de ma part. Belle tête, ça fait toujours plaisir à la brigade. Et elle reste combien de temps? Un mois. Ça fait partie de son cycle d'études. Elle est aspirant à l'école des officiers de Melun. Elle a des résultats très brillants. C'est un excellent élément. Tu vas voir. Tiens, voilà son dossier. Hmm. C'est une jolie fille. J'attends dans la matinée. Pardon. Allô? Oui. Je peux pas te parler, là. Ben, je te rappelle. Un peu plus tard. Moi aussi. D'accord. Un problème? Non, non, tout va bien. Ça va. Avoir ta tête, on pourrait se méprendre. Non, c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire, en fait, j'ai une décision d'ordre personnel à prendre, en même temps professionnel. Je t'expliquerai. Bien. Mais enfin, si je peux t'aider. Non, ça va, je t'assure, tout va bien. Te fâche pas, Christine. Tu me demandes mon avis, je te donne mon avis. En ce moment, on n'a pas les moyens d'aller en Guadeloupe, c'est tout. Je te demande pas si on a les moyens, je te demande si tu aimerais aller en Guadeloupe. Oui, j'aimerais aussi. Tahiti, Honolulu, Valparaiso. Mais mon compte en banque me dit de pas y penser. Alors j'y pense pas, c'est plus simple. Excuse-moi, mais c'est petit comme attitude. L'argent, quand on veut, ça se trouve. Ah oui, comment? Ça se trouve. Christine, j'arrête tous les jours des gens qui disent ça. Rivière, j'ai besoin de vous, c'est urgent. Oui, j'arrive. À plus. Bonne journée, mon chéri. Au fait, tu vas où, Christine?
Oh. L'alcool. À ce temps-là, c'est peut-être ça qui l'a tué. Très drôle, Francis. Travail propre, 2 balles en plein cœur, petit calibre, tiré à mon avis à moins de 3 mètres. Mort immédiate. Les balles ne sont pas ressorties, on pourra les examiner. Pour moi, elle a été abattue froidement par quelqu'un qui l'attendait, ou qui la suivait. Apparemment, personne n'a entendu de coup de feu, Platon. Le tueur avait sans doute un silencieux. Nicole Ronel, elle n'habite pas loin d'ici. Vous n'avez pas de photo d'enfant, non? Non, mais il existe un monsieur Ronel. Cette voiture est à son nom. Carnet de chèque? Non. Carte de crédit? Non. Vous savez, j'ai beaucoup de liquide, donc apparemment le vol n'est pas le mauvais du meurtre. Personne n'a prévenu en cas d'urgence le numéro de son mari au lycée Léon Chiris. Léon Chiris? C'est pas le lycée Nicolas? Si. Qu'est-ce qu'il fait au lycée? Si c'est pas un élève, c'est que c'est un professeur, Rivière. Une trace de pneu. Et alors? Elle est peut-être là depuis des semaines, ta trace de pneu. Elle semble frais. En plus, des témoins affirment avoir entendu une moto. Ils sont capables de l'identifier, ta moto, tes témoins? Avec tous ces préservatifs, elle manquait pas d'activité, hein? Isabelle? Elle devait tromper son mari. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Rivière? Elle s'en servait peut-être de façon légitime, comme contraceptif. Ah non, les gens honnêtes et mariés, c'est dans le tiroir de la table de nuit qu'ils rangent les préservatifs, pas dans un sac à main. Je vois que vous êtes un fin connaisseur, Rivière. Prendre le retard, Nico. Faudrait qu'on avance. Ouais, bah, si tu veux, on peut travailler chez moi ce soir. J'ai un ordinateur. Je sais bien que t'as un ordinateur. Mais bon, ça m'embête, ta mère. C'est bon, elle va pas te bouffer. De toute façon, elle rentre tard. J'aime bien ta mobilette, Simon. C'est un truc de famille, celle de ton grand-père. Fous-lui la paix, Martin, ok? T'es qui, toi? Son garde du corps? Ouais, on va dire ça. Je te trouve peur. Petit friquet de merde. T'as dit quelque chose, toi? C'est pas ta mère? Ouais, c'est fou, là. Gaffe, les copains, Nicolas a cafeté. Sa mère vient vérifier que personne ne fume. C'est vraiment trop drôle, Martin. Vital, Sébastien? Vazax, d'où? Vigues. It's so good, Vigestern, Sébastien. Eh bien, répondez-lui, Sébastien, c'est une conversation, vous répondez. Vous avez compris ce que Francis vous a dit? Ben non. Restez assis, restez assis. Il y a 2 gendarmes qui veulent vous parler. Des gendarmes? Maintenant, mais pourquoi? Je sais pas. Bon, Francis, vous prenez ma place et vous notez le nom de ceux qui chutent. Bonjour, monsieur. Je suis l'adjudant-chef, Florent. Je vous laisse? Oui. Il y a un problème? C'est au sujet de votre femme, monsieur Ronel. Nicole? Elle a eu un accident, c'est grave. Ce matin, un homme a tiré sur elle, monsieur Ronel. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Où ça? Sur le parking d'un supermarché. Elle y faisait ses courses. Elle est morte? Merde, ils embarquent Ronel. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. La prof d'anglais va se sentir seule. Pourquoi? T'es pas au courant? Ils couchent ensemble, tous les deux. N'importe quoi. Ronel et la prof d'anglais, t'es sérieux? Je te jure, je les ai vus ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ils se roulaient un patin, ils se planquaient. Mais je les ai vus quand même. Faut que la coupe, hein. Ça n'a pas de sens, on n'a pas d'ennemis. Pas d'argent, ou si peu. On mène une vie tranquille. Nicole ne travaille pas, elle s'occupe. Elle s'occupait de la maison. C'était une femme d'intérieur. Elle adorait décorer, bricoler. Elle faisait tout. Même la plomberie, vous savez. Pardonnez-moi les questions un peu brutales, monsieur Ronel. Mais comme il s'agit d'un meurtre, je suis obligée de tout envisager. Est-ce que votre femme avait une liaison? Nicole? Oh, certainement pas, non. Elle m'aimait. Et vous? Si je l'aimais? Bien sûr. 12 ans de mariage. Je ne dirais pas que c'était comme au premier jour, mais... ne se disputait jamais. Où étiez-vous ce matin, monsieur Ronel? Ce matin? Oui, ce matin, oui. Une voisine vous a vu partir de chez vous à 9h moins le quart. Et vous avez donné votre cours à 11h? Je...
Oui, enfin, je suis passé à Grasse, j'ai marché. J'avais besoin de bouger. Vous avez pris un café? Vous êtes arrêté quelque part? Vous avez vu quelqu'un? Non. Enfin, vous voulez savoir quoi? Si j'ai un alibi, des témoins? Ouais, ça nous arrangerait. Non, j'ai marché, j'ai regardé les boutiques, ça vous va? Enfin, vous ne pensez quand même pas que j'ai... Votre femme avait-elle des biens? Non, non. Enfin, si, sa maison vient de ses parents, mais... Vous n'avez pas d'enfant? Je peux donc supposer que vous allez en hériter? Je sais pas, sûrement. Enfin, qu'est-ce que vous croyez? C'est insupportable, à la fin. Nous faisons juste notre métier, monsieur Ronel. Est-ce que vous possédez une moto, monsieur Ronel? Mais non, pourquoi? Pour rien, ça va. Vous pouvez rentrer chez vous, mais restez à notre disposition, au cas où nous ayons encore des questions à vous poser. Bien sûr. J'arrive pas à y croire, moi. Une vie sans nuages... Peut-être. Là, à penser qu'il ait tué sa femme, c'est plutôt le meurtre d'un professionnel. Il a peut-être pu se payer un tueur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce serait pas impossible. On peut tout imaginer. Enfin, il ne faut rien extrapoler, Roussillon. Je veux tout savoir sur ce couple. Faites-moi une enquête de proximité approfondie, d'accord? D'accord. Merci. Bonjour. Je vous présente Marianne Renaud, qui va nous accompagner pendant un mois. Elle est aspirante à l'école des officiers de Melun. Enchantée, je suis l'adjudant-chef Laurent. Bienvenue à la brigade. Merci. Pierre Roussillon, enchanté. Patrick Platon, très heureux. Je suis Tic. Technicien en identification criminelle, c'est ça? Absolument. Adjudant Rivière, Francis Rivière. Enchanté. Bien, je compte sur vous tous pour initier Marianne, lui montrer ce qu'est la vie d'une brigade de recherche et la police judiciaire. Je ferai une joie, mon capitaine. Parfait. Bon, je vous laisse, j'ai un rendez-vous chez le sous-préfet. Je peux te voir une seconde? Bien sûr. Bienvenue. Pour commencer, je peux vous faire visiter la brigade, si vous voulez. Je veux bien. Elle est bien, non? Oui. Ah, moi, je la trouve très sympa. En plus, il me semble qu'elle ne déplaît pas aux autres. Oui, ben j'espère qu'elle ne perturbera pas trop les hommes. Oh. Ah, pardon, excuse-moi. Vous avez mon courrier? Merci. Tout ça? Pas en cours, Nicolas? Bah non. Le prof de physique est malade. Hey, il paraît que la femme du prof d'allemand s'est fait tuer dans la rue. Les nouvelles vont vite. Son mari est dans le coup? Je ne sais pas, Nicolas. Et même si je le savais, je ne te le dirais pas. Ah, c'est nul, ça. Ma mère s'occupe de l'enquête et j'en sais pas plus que mes potes. Voilà. Par contre, tu vas pouvoir m'aider. C'est quel style de prof, Jean-Pierre Ronel? Oh, je sais pas trop. Certains disent qu'il est pète sec. Pète sec, mais réglo. Puis d'après un copain, Martin... Enfin, c'est pas vraiment un copain... Il couche avec la prof d'anglais. Ah bon? Ouais, il les aurait surpris en train de s'embrasser en cachette. Je connais Martin, il est assez spécial. Il a pu inventer. Et elle s'appelle comment, cette prof d'anglais? Mademoiselle Le Garec. Ok. Bon, je te laisse, hein, je monte. Merci, Nico. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider? Non, ça va. Vous venez voir quelqu'un? Vous voulez rentrer? Non, enfin si. Venez avec moi. Vous avez des problèmes? Oh oui, plutôt. De quel genre? C'est-à-dire que c'est assez délicat. Ne vous inquiétez pas, vous savez, on a l'habitude. Les gens viennent souvent se confier à nous. Vous vous appelez comment? Delphine. Moi, c'est Isabelle. Allez-y, Delphine, entrez. Je vous présente l'adjudant Rivière, qui est un collègue. Voici Marianne, qui est en stage chez nous. Installez-vous là, je vous en prie. Asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Non, je suis étudiante en économie à Nice. Je ne vous ai pas demandé votre nom de famille. Marcy. Delphine Marcy. Vous êtes de la famille Marcy, à Saint-Hilaire? Ce sont mes parents. Vos parents tiennent une ferme? Il paraît qu'ils font du très bon fromage. C'est bien d'habiter la campagne. J'habite pas avec eux, j'ai une chambre en ville, que je me paye toute seule. Et je me paye aussi mes études, eux, ils n'ont pas les moyens. Alors, comment faites-vous? Justement, c'est à ce propos que... Oui? Pour survivre, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Jusqu'à ce que... Je vous écoute, racontez-moi, n'ayez pas peur. Un jour, une amie m'a refilé un bon plan. Enfin... Oui. Cette amie se faisait de l'argent en se laissant draguer à une terrasse de café. Ça paraissait simple. Et alors? Un jour, j'ai craqué. J'y suis allée. J'étais morte de honte, bien sûr, mais... À côté de ça, c'était un moyen rapide d'arranger mes affaires. Plus de problèmes pour payer mon loyer, ma voiture, mes livres...
Depuis combien de temps faites-vous ça? Presque un an. J'avais l'intention d'arrêter. J'ai toujours l'intention, d'ailleurs. Mais voilà ce que j'ai reçu il y a de ça 4 mois. Le lendemain, coup de fil sur mon portable. Un type me dit qu'il enverrait les photos à mes parents si je lui versais pas 3000 euros par mois. 3000 euros? C'est une somme. Et vous avez accepté de payer? Bien sûr. J'avais trop peur que mes parents l'apprennent. S'ils savaient, ils en mourraient. Ouais, j'imagine. Vous voulez boire quelque chose? Volontiers. Et ce type, il vous a recontacté depuis? Il m'a rappelé le lendemain et il m'a dit d'apporter l'enveloppe avec l'argent en place du marché aux fleurs à 15h. J'y suis allée, j'ai attendu. Le type est arrivé, il a pris l'enveloppe et il est parti sans dire un mot. À quoi il ressemble, ce type? Je l'ai vu que 3 fois. Très jeune, 25 ans, peut-être un peu plus. Brun, cheveux courts, taille moyenne, plutôt bien habillé. Mais c'est peut-être pas celui qui appelle. Celui qui appelle a une voix dure. Celui que j'ai vu, lui, a l'air presque gentil. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous voir, Delphine? J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai fait une connerie en commençant, je le sais, mais maintenant je veux arrêter. Arrêter de payer? Non, je veux tout arrêter. J'ai trop honte. Je veux retrouver une vie normale. Seulement ce type-là, il va m'obliger à continuer. Il va pas me lâcher, j'en suis sûre. J'ai peur. Dans combien de temps vient-il chercher sa prochaine enveloppe? Là, bientôt, d'un jour à l'autre. Ne changez rien à vos habitudes. Continuez vos activités, il se peut qu'il vous surveille. Lorsqu'il vous téléphone, vous faites comme si de rien n'était, vous restez naturel. Et vous m'appelez tout de suite après. Voici mes coordonnées. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est très gentil. On est là pour ça. Vous avez bien fait de venir, Delphine. Je prendrais bien un petit café. Laissez, lieutenant. Je m'en occupe. Vous pouvez m'appeler Marianne, vous savez. J'arrive pas à comprendre comment une étudiante bien élevée avec des parents comme il faut a pu en arriver à se prostituer. Eh oui, il y en a beaucoup, tu sais, puis de plus en plus, hein. On voit des mères de famille aujourd'hui tout à fait respectables à rendre les fins de mois comme ça. Ça me rappelle l'affaire Titolev, 1997. Un chômeur a tué sa femme le jour où il a appris qu'elle se prostituait pour nourrir ses 3 enfants. Quelle horreur. Delphine est une prostituée occasionnelle. Elle a honte, elle se cache, elle est vulnérable. C'est une proie rêvée pour un maître chanteur. Draguer une terrasse de café, c'est plutôt artisanal. Les prostituées occasionnelles travaillent sur Internet aujourd'hui. Enfin, occasionnelle ou pas, elles se prostituent, que ce soit dans un salon de massage ou bien sur Internet, je vois pas ce que ça change, hein. Bah celle-là, cette fille, c'est évident, elle fait pas ça pour le plaisir, elle a dû en baver. Non, moi, ça m'a remué son histoire. Enfin, c'est son choix, Marianne. Je veux dire, aujourd'hui, dans notre pays, pour quelqu'un qui veut s'en sortir, il y a d'autres moyens d'y arriver, hein. Bah, c'est facile de dire ça, mais vous savez rien de ce que cette fille a traversé. Vous non plus. Parce que si ça se trouve, elle vous raconte des histoires. Et les photos qui les a prises? Un salaud l'a fait chanter, c'est clair. C'est possible. Écoutez, avec mon expérience professionnelle, j'ai appris à douter. Tenez, Marianne. Merci, vous êtes gentil. Le sucré? 2. C'est pour toi, Don Juan. Du Danchet, vous tombez bien. Et du nouveau concernant le couple Ronel, ils sont interdits bancaires. Tiens donc. Et le plus bizarre, tous les 15 jours à peu près, ils approvisionnent leur compte par des versements en espèces assez mystérieux. 2 000, 2 500 euros. Je note d'autre part des prélèvements réguliers assez lourds. Le couple est plutôt dépensier. Intéressant. Très bien, Platon. Roussillon, faites-moi une recherche de renseignements sur une certaine Corinne Le Garec, professeure d'anglais. Je voudrais une enquête de proximité et en toute discrétion, bien entendu. C'est qui, mademoiselle Le Garec? Peut-être la maîtresse de Ronel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai mes sources, mon petit Platon. T'aurais pas dû venir, Corinne. J'en pouvais plus, Jean-Pierre. Il fallait que je te voie. Montre. Allez, viens. T'es fort, je sais pas comment tu fais. Ça traîne quand même ton système. Faudrait qu'on trouve un moteur de recherche un peu plus rapide. Attends, attends, attends. Hatshepsut, sa vie, son œuvre. Ouais, c'est ça. Vas-y, imprime. Génial. Voilà. Merde, tu m'avais dit qu'elle rentrait tard, ta mère.
Et alors, qu'est-ce que ça fait? Bonsoir. Bonsoir, maman. Madame. Simon, mon meilleur ami. On fait un exposé sur Hatshepsut. Ah. Tu connais? Mais oui, la célèbre pharaon. La femme de Thoutmosis II. C'est une grande dame. Comment tu sais ça, toi? Parce que je suis allée à l'école avant toi, Nicolas. Bon, je vais peut-être y aller, moi. Je vous chasse pas, Simon. Vous pouvez rester dîner, si vous voulez. Puis en plus, ce soir, c'est carré d'agneau. Non, je vais y aller. On m'attend. Tant pis pour toi. À bientôt. Au revoir. Je lui fais peur à ton copain? Possible. Tu sais, entre les gendarmes et sa famille, il n'y a pas à y avoir que de l'amour. Hein. Ah bon? Pourquoi? Bah, ses parents travaillent pas, ses frères sont plus ou moins voyous. Bah, lui, il s'accroche, hein. Il bouquine, il s'intéresse à tout. Il est doué, en plus, hein. C'est le meilleur de la classe. Par contre, les autres l'aiment pas trop. Enfin, faut dire, il le rend bien. Tiens, des bruits commencent à courir au lycée. Ah bon? À quel propos? On pense que le prof d'allemand a tué sa femme pour se marier tranquillement avec la prof d'anglais. Je peux confirmer? Sûrement pas. Pourquoi c'est pas ça? Je ne te dirai rien, Nicolas, n'insiste pas. Bon, moi, j'aurais essayé, hein. Christine, il est où, mon pull jaune? Dans le tiroir des pulls, j'imagine. Chérie? Tu préfères des pâtes ou des pommes de terre sautées avec le filet mignon? Des pâtes? Mon nana a mangé hier. Pourquoi tu me le demandes, là? Bon, alors des pommes de terre sautées. Ça sent bon. Donne-moi ton assiette. C'était bien ta journée? Ah oui, très fructueuse. Fructueuse? Oui. Tu t'ennuies avec moi? Ouh là là, avec tout ce que je fais, j'ai vraiment pas le temps. Tu fais quoi? Ben, mille choses, je m'occupe, je... Merci. Je vois des amis, je m'occupe de la maison, je fais les courses. Attends, mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, j'essaye d'imaginer tes journées. C'est vrai que t'as l'air très occupée en ce moment. Ça, oui. Tu es heureuse avec moi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Je te demande si tu es heureuse, oui ou non. Oh, mais bien sûr, mon chéri. Mais mange, tes patates vont refroidir. Avant de l'épouser, je l'avais prévenu, je lui ai dit combien ça gagnait un gendarme. Et ben maintenant, il lui faut des croisières, des bijoux, des fourrures, la grande vie, quoi. Christine? Bah oui, Christine. Quelqu'un a vu Marianne? Non, pas encore. Ah, on a le rapport de l'autopsie de Nicole Ronel. Bon, rien de bien notable, sinon qu'elle venait boire une bonne dose de whisky. Les balles du 22 proviennent d'une arme non répertoriée. Bonjour tout le monde. Bonjour Marianne. J'ai pas chômé hier soir, j'ai mené ma petite enquête. Quelle enquête? Sur Corinne Le Garec, la prof d'anglais. J'ai rôdé autour de chez elle, j'ai questionné les voisins, les commerçants. Corinne Le Garec est célibataire. Elle vit dans une petite maison héritée de son père. D'après ce que j'ai appris, tenez-vous bien, elle reçoit très régulièrement un homme dont tout indique, d'après la description, la marque de la voiture, qu'il s'agit de Jean-Pierre Ronel, prof d'allemand. J'ai bien travaillé, non? Vous avais-je demandé de le faire, Marianne? Non, je voulais me rendre utile. Vous n'aviez pas à agir sans ordre et surtout sans prévenir les autres? Ce n'est pas ça, la gendarmerie. Ici, on ne travaille pas seul, mais en équipe. Alors inutile de faire du zèle. Et encore moins d'avoir des initiatives personnelles. Je suis désolée, je pensais bien faire. Vous auriez pu gâcher l'enquête. Et même pire, vous mettre en danger. Par conséquent, nous mettre tous en danger. Ici, à la brigade, on ne travaille pas comme ça. On débat des stratégies ensemble. Ensuite, on décide, ensuite, on agit. J'aimerais ne pas avoir à le répéter. Il s'est plutôt bien débrouillé, non? On a quand même appris que Jean-Pierre Ronel a menti sur sa vie. Et s'il a menti sur son couple, il a pu mentir sur le reste. Vous ne pensez pas? Au sillon, venez avec moi. Oui. On va chez Ronel. Quant à vous, vous restez ici. Il y a encore des dossiers à classer et des pièces de procédure à enregistrer. Platon se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Vous en faites pas, c'est rien. Marianne, je me sers un petit café de sucre. Difficulté, c'est vrai. Nicole était très dépensière, elle achetait tout et n'importe quoi de façon compulsive. Verrier l'armoire, 50 paires de chaussures, des robes qu'elle n'était jamais, faisait des dettes, prenait des crédits. Mais notre situation financière s'arrangeait doucement. C'est vrai, on a noté des versements réguliers en espèces sur le compte. Vous savez d'où vient cet argent?
Nicole chinait des objets dans les brocantes et les revendait aux antiquaires de Nice. De façon légale? Ouais, c'était ses affaires. Vous connaissez Corinne Le Garec? Mademoiselle Le Garec? Oui, nous sommes collègues. Pas plus? Si. Tout le monde sait que nous sommes amis. Amis ou amants? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est nous qui posons les questions, monsieur Ronel. C'est votre maîtresse? Oui, bon, et alors? Ça fait de moi un suspect? Ça veut dire que j'ai tué ma femme? Est-ce que votre femme était au courant de cette liaison? J'ai fini par lui avouer, oui. Pourquoi vous nous avez menti? D'après vous, si je vous l'avais dit, vous en auriez fait un mobile, non? Je n'aimais plus ma femme, donc je l'ai tuée. Normal. Tout le monde fait ça, c'est bien connu. Ce sont vos mensonges qui vous rendent suspect, monsieur Ronel. Où étiez-vous entre 9h et 11h du matin? Je vous l'ai dit, je me promenais à Grasse. Vous ne nous facilitez pas beaucoup les choses. Si vous permettez, je vais être obligée d'emmener cette photo. Je risque d'en avoir besoin pour mon enquête. Dites-moi, si vous ne vous entendiez plus très bien avec votre femme, que vous comptiez divorcer, j'imagine qu'il ne se passait plus rien entre vous. Et alors, vous voulez en venir? Nous avons trouvé des préservatifs dans le sac de votre femme. Vous avez une explication? Je sais pas, non. Votre femme avait-elle un amant? Sûrement pas. J'en sais rien, après tout. J'en sais rien. Merde à la fin, merde! En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de jouer trop sympa. Si vous voulez mon avis, elle avait un ou plusieurs amants. Il faudrait creuser ce côté-là. Excusez-moi. Allô? Oui, Delphine. Non, non, vous ne me dérangez pas. Alors, il a appelé? À quelle heure? Très bien. Passez à la gendarmerie, je vous expliquerai tout ça. C'est le maître chanteur qui a appelé? Oui, oui, il attend son enveloppe. Puis il lui a donné rendez-vous à 2h. Vous, vous rentrez au bureau, moi je vais au lycée interroger Le Garec. Monsieur Florent, ça ne se volatilise pas comme ça, un ordinateur. Vous n'avez pas une idée de qui a pu l'emprunter? Non, je vois pas du tout, monsieur le proviseur. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur au lycée? Peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas porter plainte. Il y a déjà cette horrible affaire qui touche la femme de l'un de nos professeurs. C'est assez de publicité pour le lycée. Assez de gendarmes dans les parages, sans vouloir vous... Non, c'est pas grave. Malheureusement, notre budget ne me permet pas de remplacer cet ordinateur. Va donc falloir s'en passer. Bah, c'est dommage pour tout le monde. Oui, en effet, c'est très dommage. Mais vous me soupçonnez de l'avoir volé? Bien sûr que non. Non, je voulais vous parler de Simon Caretti. Votre ami, m'a-t-on dit? C'est exact. Entendez-moi bien. Je n'ai rien contre ce garçon, excellent élève par ailleurs. Sachant d'où il vient, connaissant ses difficultés sociales, familiales, on ne peut qu'être impressionné. Cependant... Oui. D'ordinaire, je ne m'attache pas au ragot, mais il se trouve que certains élèves soupçonnent franchement votre ami d'avoir commis ce vol. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est des mensonges. Je connais très bien Simon, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Je peux vous l'assurer, monsieur le proviseur. Bien. Vous pouvez rejoindre vos camarades. Simplement, je vous demanderai de ne pas répéter notre conversation à votre ami, qu'il ne s'imagine pas que je le soupçonne. Au revoir, monsieur le proviseur. Au revoir. Moi, je dis que c'est forcément quelqu'un d'ici qui a fait le coup. L'un d'entre nous. Pas sûr, n'importe qui pouvait rentrer ici. Celui qui a fait le coup savait très bien ce qu'il faisait. Il a foncé à la bibliothèque et hop, ni vu ni connu. Faudrait chercher à savoir qui s'en servait le plus de cet ordinateur. Et attends, pourquoi ça serait lui le voleur? Je sais pas, moi, peut-être qu'il s'est dit que ça serait plus utile chez lui. Mais arrête. T'as des preuves ou t'en as pas, Martin? Si t'en as pas, tu la fermes, ok? Je suis assez d'accord avec Nicolas. Tiens, à propos, on n'a pas vu ton petit protégé ce matin. Il est malade? Peut-être bien qu'il se cache? Et dis-moi, tu le savais que le père et le frère de Simon avaient fait de la tôle pour vol? Ouais, je le savais. Après, qu'est-ce que ça change? C'est nul de dire ça, Martin. J'aimerais bien visiter la baraque à ton pote. On y trouverait de drôles de choses, d'après moi. Peut-être bien l'ordinateur. Tu sais quoi, Martin? T'es vraiment trop con, hein. Ouais, t'es vraiment grave. Un fils de gendarme qui défend un fils de voleur. On aura tout vu. Cela dit, faudrait quand même que Simon s'explique. Mais arrête, il est pas plus voleur que toi, ou moi. Excusez-moi, vous êtes Corinne Le Garec? Oui. Oui, bonjour, je suis l'adjudant-chef Florent de la gendarmerie nationale. J'aimerais vous parler quelques instants. Oui. Ben, allons par là. Monsieur Ronel nous a dit qu'il souhaitait divorcer pour vous épouser, mais enfin, il raconte tellement de mensonges. Il serait temps que vous compreniez qu'il est dans son intérêt comme dans le vôtre de nous dire la vérité. On gagnerait du temps. C'est vrai, Jean-Pierre voulait divorcer. Mais sa femme ne voulait rien entendre.
Donc la seule chance qu'il avait de vous épouser, c'était d'utiliser une méthode, disons, plus radicale, n'est-ce pas? Quoi? Mais c'est une accusation complètement gratuite. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucune preuve contre lui. Alors aidez-moi à prouver qu'il est innocent. Jean-Pierre n'est pas un criminel, ça j'en suis sûre. Faut-il chercher un motif pour que Nicole accepte le divorce? Quel genre de motif? Il pensait qu'elle avait un amant. Alors un jour, il l'a suivi. Il a découvert pire. C'est-à-dire? En fait, elle offrait ses charmes aux hommes qui voulaient bien se montrer généreux avec elle. Vous imaginez le choc pour Jean-Pierre? Sa femme qui se prostitue. Oui, je peux comprendre. Le problème, c'est qu'il reste toujours un coin obscur. Monsieur Ronel prétend qu'il se promenait en ville au moment où sa femme a été assassinée. Vous y croyez, vous? Pourquoi pas? C'est interdit de se promener? Non, c'est pas interdit de se promener. L'ennui, c'est que personne ne peut confirmer son alibi. Il est dans le sale drap, votre collègue. Jean-Pierre était chez moi ce matin-là. Il est parti à 11h moins le quart pour se rendre au lycée. Ben voilà, tout s'explique. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Il a tellement peur du qu'en dira-t-on. Vous me promettez de pas en parler, je vous en supplie. Jean-Pierre serait furieux. Le problème, c'est que lors du procès, le juge aura besoin d'entendre votre témoignage. Et les procès sont publics, vous savez. Un procès? Quel procès? Mais celui du meurtrier. Encore faudrait-il le retrouver? On le retrouvera, mademoiselle Le Garec. Vous êtes seule, Marianne? Oui, oui, les autres pourchassent les méchants. On a jugé que j'étais plus utile au classement. Ah, vous savez, c'est indispensable de bien classer les dossiers, Marianne. Mais j'en suis convaincue, mon capitaine. Ça va? Vous faites à l'ambiance? Oui, oui, tout le monde est gentil avec moi, mais j'aimerais bien passer mon temps ailleurs qu'entre ces quatre murs. Ah, la patience est une des grandes vertus de notre institution, Marianne. Vous parlez comme mon père. Votre père? J'espère que ce n'est pas l'image que je vous donne. Pas loin. Vous devez avoir le même âge. Eh. Delphine Marcy n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, elle va pas tarder. Pardon, je peux te parler deux minutes? Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Vous en prie. Alors, ton rendez-vous chez le sous-préfet, ça s'est bien passé? Oui, oui. J'ai vu qu'on t'avait envoyé un chauffeur de charme. Enfin, c'est une vieille amie, je t'expliquerai. Mais je t'écoute, Philippe. Non, non, plus tard, je voudrais te parler de Marianne. Je crois qu'elle s'ennuie. Tu devrais davantage la faire sortir avec toi sur le terrain, tu comprends, sans vouloir t'obliger. Hein. Tu sais qu'elle sait y faire, la gamine. Hein. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, non, pas du tout. Je pense simplement aux générations futures, aux équipes qu'elle sera amenée à diriger. Et puis l'immersion, c'était l'objectif de son stage. Bon, écoute, ça va, j'ai compris, c'est bon. Je vais lui dire de se préparer. Non, laisse. Je le fais moi-même. Ah, Delphine. Chez les jetons, vous pouvez pas savoir. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Surtout, faites comme d'habitude, parce qu'il se peut que le maître chanteur soit déjà là et qu'il vous surveille, d'accord? Vous allez à l'endroit qu'il vous a indiqué et vous lui remettez l'enveloppe. Vous partez et nous, on s'occupe du reste. Mmh. Allez, bonjour. Montez. Merci. Adjudant-chef! Je passe un gilet et j'arrive! Nous sommes des amis, nous faisons nos courses, hein? Vous faites comme moi. Vous ne vous occupez ni de Delphine, ni de qui que ce soit. Merci, madame. Merci beaucoup. Oui, oui, je fais comme vous. Merci de m'avoir fait venir. Je suis heureuse d'être là, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas un jeu, Marianne. C'est sérieux. J'ai compris. C'est dur, là. Vous croyez qu'il va venir? Je suis sûre qu'il est déjà là, dans un coin quelque part, à surveiller Delphine. Arrêtez de vous retourner. Il a peut-être flairé quelque chose. On verra bien. Ne tournez pas comme ça, mais c'est pas vrai.
le fixez pas comme ça. Il a pas des yeux dans le dos quand même. Il est peut-être pas seul. J'ai rien fait, moi j'ai juste pris une enveloppe. Je poserai les questions plus tard. Hein. Allez, grimpe. Vous avez failli tout faire rater, Marianne. Vous vous croyez invisible? Il vous a repéré dans la vitrine. N'importe quel enfant de 5 ans vous aurait repéré. Je suis désolée. Mais vous êtes toujours désolée, Marianne. Allez, montez à l'avant. Isabelle, c'est pas sa faute, elle fera mieux la prochaine fois. Roussillon, écoutez, arrêtez de la défendre parce que ça m'énerve encore plus. Ok? Alors, c'est pas un jeu, hein. Je sais qu'elle est là pour apprendre, mais c'est pas un jeu. Il aurait pu arriver n'importe quoi, je sais pas, moi. Une prise d'otage, on aurait été beau. D'accord, vous avez raison. Bon, ok, on oublie. On rentre. C'est moi qui conduis. J'ai fait une connerie, je sais, j'aurais jamais dû accepter, mais je veux rentrer chez moi, ma femme m'attend, elle va s'inquiéter. On va l'appeler, vous en faites pas. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre une enveloppe, je devais la remettre à un type un peu plus loin. Quel type? Un type, il m'a filé 100 euros pour faire ça. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. On vous a posé une question. Comment s'appelle-t-il? Boris. Boris? Boris comment? Je sais pas où il habite, c'est le chef. Le chef? Le chef de quoi? Le chef. Il roule en BM, une BM bleue. Je crois qu'il est russe, mais il parle bien le français. Écoutez, moi, ce que je fais, c'est rendre service, c'est tout. Comment vous l'avez connu, ce Boris? Dans un bar. Il y a un mois, il m'a demandé si je voulais travailler pour lui. Vous savez ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Non. Tout ce qu'il m'a dit, c'était de la prendre à la dame qui m'a montré de loin. Et c'est la première fois que vous faisiez ça? Oui. Ça colle pas à votre histoire, monsieur Geller. Delphine Marcy prétend vous avoir remis déjà 3 enveloppes. C'est pas vrai, elle ment, elle raconte n'importe quoi. J'ai jamais vu, moi, cette fille, je vous jure. Oui, enfin, c'est quand même vous qui avez fixé ce rendez-vous au téléphone, non? Pas du tout, j'ai même pas son numéro à cette fille. Je peux rentrer chez moi? Sûrement pas. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant, monsieur Geller. Garde à vue? Et ma femme? On va l'appeler. Elle est chez vous en ce moment? Normalement, oui. Elle va pas être contente. Emmenez-le aussi. Allez, suivez-moi. Elle doit être à son travail. Son mari nous a dit qu'elle était là. Vous croyez qu'elle va nous apprendre quelque chose? Bah pourquoi on est là aussi, à votre avis? J'espère. Tiens, c'est peut-être elle. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe?
Je m'y attendais un jour ou l'autre. Pourquoi ? Oh, mon mari est un garçon influençable. Il est gentil, mais faible. Trop faible. Il a dû se laisser entraîner par des voyous. Il vit mal le fait d'être au chômage, hein, ça le mine. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, il n'a jamais eu affaire à la justice. C'est exact. Nous avons vérifié. Oh, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, c'est pas facile. Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? Un an. Mais on se connaît depuis longtemps. En fait, à la base, Didier, c'est un artiste. Tout ce que vous voyez là au mur, c'est lui. Il a travaillé 2 mois chez un architecte. Et puis l'agence a fermé. Et vous ? Moi, je suis visiteuse médicale. Je passe mon temps sur les routes. Je vois pas souvent Didier, enfin pas assez. Est-ce qu'il vous a parlé d'un certain Boris ? Boris ? Oui. Une fois ou deux. C'est quelqu'un qui lui fait peur. Et vous l'avez déjà rencontré ? Non, jamais. Moi, j'ai tout fait, vous savez, pour essayer de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. C'est grave, ce qu'il a fait ? Je ne sais pas encore. Vous allez le garder longtemps ? Il est encore trop tôt pour le dire. Soyez pas dur avec lui. Il veut s'en sortir, mais il a fait une bêtise. Mais bon... Je classe sous ce dossier, mon adjudant. Où vous voulez, je m'en fiche. Ça va pas, Rivière ? Non, tout va bien. Enfin, Christine n'est pas rentrée, elle est partie ce matin, et son portable n'est pas branché. Laissez-la vivre un peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive ? Tout. Tout peut lui arriver. Arrêtez de vous angoisser comme ça. Allez plutôt me chercher Delphine Marcy. Je voudrais la confronter avec Didier Geller. Ronelle a un alibi, mais les deux affaires sont peut-être liées. Ah, et... Prenez quelqu'un avec vous. D'accord, d'accord. Marianne ? Qui ? Classer les procédures, ça va un moment, mais... C'est vrai que je préfère l'extérieur. J'aime le risque aussi. Si j'ai voulu être gendarme, c'est d'abord pour l'action. Ouais, c'est par là. Je crois que l'adjudant-chef m'a dans le nez. Faut dire que j'ai un peu déconné, hein. Mais pas du tout. Isabelle a son franc-parler. D'ailleurs, c'est elle-même qui a insisté pour que vous m'accompagniez, alors... Ah ouais? Vraiment? Bah oui. C'est bien la preuve que... La porte est ouverte. Écartez-vous. Mademoiselle Marcy? Delphine? Drôle de décor pour une petite étudiante pauvre. Roussillon avait peut-être raison, faut se méfier de ce que les gens racontent. Ah merde! C'est fini. C'est la première fois que je vois un mort. On a beau y être habitué, on s'y fait jamais. Isabelle, Delphine Marcy s'est fait descendre chez elle. Ouais, Delta, Charlie Delta. On vous attend. 1197, on vous est sur place. Madame. Alors, Rivière ? C'est bien ce que je pensais. Elle avait créé son site sur Internet pour recruter ses clients. La terrasse de café, c'était les débuts. Pour le désir et le plaisir d'une rencontre par téléphone. Donc c'était plus une occasionnelle, quoi. Je comprends pas. Le fait qu'elle pratiquait chez elle prouve bien qu'elle assumait ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle avait à craindre d'un maître chanteur ? Il pouvait menacer de la vitrioler, de la tuer. Ouais, évidemment. Excusez-moi, les parents viennent d'arriver. Faites-les entrer. Monsieur. Madame. Alors, c'est là qu'elle habitait. Vous n'étiez jamais venu ? Je parlais plus. Ça fait 3 mois qu'on se parlait plus. Elle nous avait dit ce qu'elle faisait. C'est-à-dire ? Elle faisait... Enfin, vous savez bien, ça se voit, non ? Vous saviez qu'on la faisait chanter ? Non. C'est bizarre parce qu'elle nous a dit qu'elle avait peur que vous appreniez sa véritable profession. Elle vous a raconté des bêtises. Elle nous avait tout dit. Comment en est-elle arrivée là ? Qu'est-ce que j'en sais ? Vous allez dire que c'est notre faute ? Qu'on l'a mal éduquée ? C'est fou.
côté de nous parce qu'on travaillait. Elle disait que le travail, c'est bon pour les imbéciles. On est des paysans. On lui faisait honte. Elle voulait une autre vie, la grande vie. Les restaurants, les vacances, la voiture, tout et tout de suite. Voilà où ça l'a menée. Quand elle était petite, c'était un amour. Je sais pas ce qu'elle aurait dû faire, je sais pas. Delphine, ma petite Delphine. Plus enfoncés les yeux et plus épaisse la bouche. Ah oui, et puis il y a des plis très marqués autour de la bouche. Le front un peu plus bas. Ok. Et là, ça lui ressemble? Ouais, ouais, c'est ça, c'est lui, c'est Boris. Enfin, c'est incroyable d'arriver à un résultat pareil. Sans vouloir vous flatter, vous êtes fort. Hein. Je suis fort quand les témoignages sont précis. Ouais, j'ai un petit don pour le dessin, ça aide. Et puis disons que je suis assez physionomiste de nature aussi. Ah bon? C'est intéressant, votre métier. Hein. C'est difficile de rentrer dans la gendarmerie? Assez, oui. Merci, j'ai plus besoin de vous. Martin, vous pouvez reconduire monsieur en chambre de sûreté, s'il vous plaît. Bon, bah, si je peux encore être utile, je sors bientôt. C'est pas moi qui décide. Merci, Rivière. Voici le portrait de Boris. Et d'après Didier Geller, c'est criant de vérité. Visage comme ça, dans une ville comme Grasse, ça doit pas être très difficile à retrouver. Hein? Tiens, c'est pour toi, c'est bien du labou. Merci. Regardez. J'en étais sûr. Les balles récupérées sur Nicole Ronel et sur Delphine Marcy proviennent de la même arme. Sans blague. Les deux affaires seraient liées. La femme du prof se prostituait et on la faisait chanter, elle aussi. Je dois dire que j'y avais pensé. Ça colle assez bien, les versements en liquide, les préservatifs. Mais pourquoi le maître chanteur l'aurait-il tué? En nature, il perdait sa source de revenus. Sauf si, comme Delphine, elle avait décidé de parler, elle aussi. En tout cas, l'assassin de Delphine ne peut pas être Didier Keller, puisqu'il était dans nos murs. Ce qui nous ramène à Boris. Boris et sa bande. J'ai quand même du mal à croire qu'il y ait suffisamment de femmes dans cette région ayant les mêmes problèmes que Nicole et Delphine pour mobiliser un réseau de mafieux. Ben, faut voir. D'après les statistiques, les occasionnels représentent 20% de la prostitution. La plupart du temps, bien sûr, elles font ça à l'insu de leur mari. Si ma femme me trompait, je m'en rendrais compte. Tu verrais rien du tout, oui. Comme tout le monde. Parce que tu voudrais rien voir. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, là? Mais rien du tout. Qu'est-ce que tu veux imaginer? Je supporte pas tes conneries. Messieurs, ça suffit. Vous vous calmez, asseyez-vous. Reprenons depuis le début. Delphine donnait toujours rendez-vous au même endroit. Dans ce bar-là, le café du centre-ville. Et si vous voulez mon avis, c'est là qu'elle travaillait. Et je pense qu'elle ne devait pas être la seule à racoler à cette terrasse. Non, ça m'intéresse pas, je t'assure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repère celle qui attend le client, on se fait passer pour le client. Tiens, regarde celle-là, là-bas. T'as vu? Bien. Madame autour d'elle, elle a l'air de s'ennuyer. Pour moi, elle attend le client. Tu crois? Ok, j'y vais. Non, attends, tu préfères pas que... Non. Non, non, je la sens bien. Laisse-moi faire. C'est vrai que t'es un expert. Vous permettez? C'est très agréable, cette terrasse. J'y viens souvent. Vous aussi, est-ce que j'ai remarqué? Enfin, j'ai l'impression de vous y avoir déjà vu. Un visage pareil, ça ne s'oublie pas. Je vous offre un verre. Écoutez, mademoiselle, vous allez peut-être me trouver un peu direct, mais je vous trouve très séduisante. Vous me plaisez beaucoup. Bien entendu, je saurais me montrer généreux. Non, 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 laissez, c'est pour moi. Oh, putain. Tu
méritais presque, hein. Oh, ça va, toi, hein. Bon, je suis pas sûr que tu aurais fait mieux, alors. Alors, ça mord, messieurs? Bah, faut dire que la pêche est maigre, quoi. Le café n'est peut-être pas le seul endroit où les filles opèrent. J'ai un petit peu observé avant de venir. Il y a une femme qui correspond bien là-bas, sur la terrasse. Oui, j'avais remarqué, oui. Tu veux y aller, Patrick? Je la sens pas, celle-là. Je te la laisse. T'es sûr? Parce que maintenant que t'es chaud... Oh, Pierre, ça va. Bon, j'y vais. Alors, vous êtes pris une veste? Je viens de découvrir un truc. Les femmes ne sont pas toutes intéressées. Vous en doutiez, Platon? Ouais. J'ai un petit peu fait les barres avec le portrait de Boris. Aucun succès. Personne ne le reconnaît. C'est bizarre, non? Peut-être que les gens en ont trop peur pour parler. Bonjour. Je peux? Mm-hmm. Merci. Vous venez souvent dans le coin? Ça m'arrive. Vous attendez quelqu'un? Non, pas spécialement, non. Ça vous ennuie pas si je vous tiens compagnie, alors? Non, non. Je suis de passage, moi, dans la ville. Pour le travail, quoi. Le coin est sympa, hein. Enfin, faut dire qu'on s'ennuie un petit peu, quoi, surtout le soir. Hein. Vous savez, quand on connaît personne... Écoutez... Oui? J'ai de graves problèmes en ce moment. Ah oui? Des problèmes d'argent. Vous savez, aujourd'hui, qu'il n'en a pas, hein. Oui, mais moi, c'est vraiment très grave. J'ai besoin qu'on m'aide. Qu'est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que je peux... Ah non, mais attendez, je fais pas la mendicité, vous savez. Je donne en échange. Vous donnez quoi? Ce que j'ai à donner. Tendresse, affection, plaisir. Vous savez, en général, les gens se sentent pas volés. Je suis persuadé. Vous êtes partant? Pourquoi pas, oui. Vous me suivez? Maintenant? Pourquoi, ça vous embête? Pas du tout. Bah, allons-y. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu hier soir. Oui. Si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien avoir mon petit cadeau maintenant. Comme ça, on n'en parlera plus. Pas de problème. Le minimum, c'est 100 euros. 100 euros? Pour un type de votre classe, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je vous assure que vous le regretterez pas. Gendarmerie nationale, désolé. Merde! Vous allez pas m'arrêter, hein? Je vous en prie, je vous en supplie, faut pas m'arrêter. Allez, rhabillez-vous. Merde, merde! Vous étiez plus bavard tout à l'heure. Votre mari est au courant? Oui? Non? Quelle importance? De toute façon, il profite de l'argent que vous gagnez, donc il est proxénète. Nous allons devoir l'arrêter, le mettre en prison. Et puis vous aussi, pour un collage. Je vous ai pas racolé. Votre mari est au courant? Écoutez, je vous jure, c'est la première fois que je fais ça. Ben voyons, il fait quoi, votre mari? Il est chômeur, longue durée. Il s'occupe de mon fils, Tony. Il a 6 ans, mon fils. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Vous connaissez ce type? Il prend des photos des femmes qui se prostituent, puis il les fait chanter. Il vous a jamais demandé d'argent, à vous? Non. Celui-là, il avait déjà remis une enveloppe. Regardez bien. Non, écoutez, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer. Je fais pas ça pour m'amuser, vous savez. Si vous connaissiez ma fille. Je demande que ça. Vous allez me le raconter. L'arrêter, c'était ruiner sa vie. Mettre son mari au courant, son enfant, les voisins, c'est ce qu'elle craint le plus au monde. Hein. Le vrai danger pour elle, c'est le tueur. Je lui ai montré le portrait de Boris. Apparemment, elle ne l'a jamais vu. Peut-être qu'elle n'est pas encore sous sa coupe. Lydia Galère non plus, elle ne la connaissait pas. Quoique pour lui, il m'a semblé qu'elle avait un petit peu hésité. Hein. Pierre, je ne veux pas prendre de risques. Mettez en place une surveillance discrète au domicile de cette Josiane. D'accord, pas de problème. Je peux emmener Marianne? Marianne? Non, c'est trop dangereux. C'est juste une surveillance, hein. Puis elle a besoin d'apprendre, c'est vous qui nous l'avez demandé. Elle vous plaît, cette petite? Moi? Non, non, pas du tout, mais j'ai juste envie de la former, c'est tout. D'accord. Mais je vous préviens, elle est sous votre protection, s'il lui arrive quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive?
Je la protégerai de mon bras puissant. Roussillon, j'écoute. Oui, je vous la passe, ne quittez pas. C'est pour vous. Merci. Oui, allô? Non, non, mais ne vous inquiétez pas, il va très bien. Oui? Je ne peux rien vous dire pour le moment. C'est au juge d'en décider. Il n'a rien fait de mal, vous le savez bien. Mais je le connais, il vous a sûrement tout dit. Et vous ne pouvez vraiment rien faire? Il a besoin de moi, et moi aussi j'ai besoin de lui. Bien, je vais attendre. Merci. Et excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Tu sais, je me demande si le voleur a réfléchi à ce qu'il faisait. Au fait qu'il privait toute la classe de l'ordinateur. Je te signale que c'est moi qui m'en servais le plus. Je suis la première victime dans l'histoire. Sans compter que les autres comme toi, ils ont un ordinateur chez eux. Moi, j'en ai pas. Non, mais attends. Sous prétexte que j'ai pas de moto, je vais en voler une. C'est ça. Non, mais c'est pas un système. Du point de vue de celui qui n'a rien, si. Au fait, faudrait rendre l'exposition à Chapsoud, c'est loin d'être fini. Ouais. Tu me fais la gueule, Nico? C'est toi qui avais l'ordinateur, Simon. Et alors, ça changerait quoi? Ça me décevrait. Ça voudrait dire que je me suis trompé sur toi. Pour toi, il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Tout est clair. Je t'envie avec tes certitudes. Tu l'as volé, Simon? Ouais. Tu te prépares pas, Nicolas? Oh, je sais pas, j'ai pas le moral. Écoute, j'ai réservé chez Giovanni. Nous garde la table jusqu'à 21h. Allez. Je me sens trahi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je me suis battu pour défendre mon pote Simon. Je le croyais droit, honnête. En fait, c'est qu'un voleur. Il a volé un ordinateur au lycée. Mais qu'est-ce qui te gêne le plus? Tu as volé un ordinateur ou que tu l'aies défendu devant tout le monde pour rien? Bah, les deux. De toute façon, j'ai même plus envie de parler de lui. Il a trahi ma confiance. Tout de suite, les grands mots, hein? Je suis sûre qu'il avait pas cherché à te nuire. Ah, parce que maintenant, tu vas lui trouver des excuses à ce mec? Ce mec, comme tu dis, c'était ton ami. Un ami, on le défend. On l'écoute, on lui explique. Peut-être qu'il était dans l'erreur, qu'il s'en rendait pas compte. Fais-lui comprendre un jour, peut-être que ça portera ses fruits. Ouais. Enfin, un drôle de discours pour quelqu'un qui met les gens en prison. Hein. Je ne fais pas que mettre les gens en prison, Nicolas. Je fais aussi de la prévention. Allez, viens, j'ai faim. Oh, je sais pas, j'hésite. Ah bon? On se recourait quoi? Bah, spaghetti bolognaise ou carbonara. Ah oui. Christine? Oui? Christine? Oui, quoi? T'as envie de me quitter? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Francis? T'as des problèmes de travail? Attends, me le dire franchement. T'as rencontré quelqu'un? Toi, tu as besoin de vacances. Hein? Attends, bouge pas. Je voulais faire la surprise pour ton anniversaire, mais visiblement, il y a urgence. Regarde. Nos prochaines vacances en Guadeloupe. Je veux pas de ça. Parce que c'est moi qui les ai payées? Avec quel argent, s'il te plaît? Avec le mien. Voilà, nos vacances, je les ai gagnées avec ça. C'est pas possible, Christine. C'est horrible, c'est dégueulasse. J'ai le droit de travailler, moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Travailler? T'appelles ça du travail? Parce que tu crois que ça m'amuse, moi, de vendre de la lingerie à mes copines, à mes amis, à leurs relations? De la lingerie? Mais oui. Tu vends de la lingerie? Mais oui, c'est comme les réunions de Tupperware, c'est le même principe. Je comprends pas. Une marque de lingerie me confie un stock et me donne un pourcentage sur les ventes. Aujourd'hui, j'ai presque tout vendu. Ouh, je crois que je suis assez douée pour ça. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je savais pas si ça réussirait. Je voulais te faire la surprise. Alors, l'argent sous les pulses, c'était le mien. Ça sent bien, ces petits... Plus que tu ne peux l'imaginer. Et encore, je te montre pas les modèles les plus osés. Tu pourrais me montrer un modèle plus osé? Tiens. Quand je suis venue te chercher à la caserne, je veux pas te blesser, mais j'ai eu l'impression d'une prison. Le mot peut-être un peu fort, tu trouves pas? Peut-être.
peut-être. Mais cette rigidité, cette discipline, je sais pas comment tu fais. C'est ma vie. Je l'ai choisie. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Donne-moi au moins une raison, Philippe. Écoute, Caroline, tu me demandes de tout envoyer promener comme ça. Ça prend du temps, il faut que je réfléchisse. Alors je pèse le pour, le contre. Dis-moi ce qu'il y a de contre. Il s'agit d'abandonner une partie de ce que j'aime. Mon métier, des amis, des collègues. Et si tu étais aussi heureux, tu n'hésiterais même pas? Tu me dirais non. Qui peut dire avec certitude qu'il est à la bonne place et qu'il n'en désire pas une autre? Il y a une femme. Une femme? Ne mens pas. Je suis très intuitive. J'ai ressenti quelque chose en voyant cette femme en uniforme. Sa façon de te regarder, de me regarder. Isabelle? Pas du tout. Vraiment? Mais s'il n'y a pas de femme, tout est possible alors. Allez, dis-moi oui. Doucement, tu m'as donné 2 jours pour me décider. 2 jours, c'est 2 jours. Bévons à l'avenir. Tenez, on va vous réveiller. Qu'est-ce que vous croyez? Nathan, Poirot, t'en fais que ça. Et presque toujours pour rien. Vous avez peut-être d'autres idées sur le métier, non? Pas du tout. Je connais un gendarme qui m'a raconté sa vie. Vous êtes fiancé? Non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus. Enfin, on s'est quitté récemment. Je suis désolé. T'es en plein chagrin d'amour, alors? Je suis pas du genre à souffrir longtemps pour un homme, vous savez. On serait douté. Vous croyez vraiment qu'il va se passer quelque chose, là? J'en sais rien, hein. Wait and see. Ça va bien. Bon, ben moi, je vais faire un truc. Bah non. Hé, bougez pas d'ici, hein. Si vous sortez, on serait repérés, tout serait foutu. Mais je plaisantais, Pierre, histoire de détendre l'atmosphère, là. C'est ça qu'on vous apprend à l'école des officiers. On n'est pas là pour se détendre, Marianne. J'ai l'impression que vous m'aimez pas beaucoup. Vous croyez vraiment? Je sais pas. Étonnant, et moi? Parce que les femmes, elles sont toujours ce genre de choses. Hein. Très, très bien. Non, non, n'insiste pas, j'ai pas une minute à moi aujourd'hui. D'accord. Mais alors, c'est moi qui t'appelle, hein. Et promis, je te donnerai ma réponse. D'accord? Je t'embrasse. Moi aussi, Caroline, je t'embrasse. Au revoir. Entrez. Je te dérange? Non, non, ça va, ça va. Le juge a mis Didier Geller en examen, mais il l'a laissé sous liberté conditionnelle. Donc, il est rentré chez lui. Bah, il fallait s'y attendre, on n'a pas grand-chose contre lui. Pourtant, j'ai l'impression qu'il s'est un peu foutu de nous, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, je comprends pas. On a interrogé tout le monde, j'ai fait tous les bars. Personne n'a jamais vu Boris, personne ne le connaît. À mon avis, Geller n'a pas dû en faire un portrait très, très ressemblant. Tu sais comment c'est, ils ont toujours peur des représailles. Sans doute, oui. J'ai appris que tu avais mis la petite Marianne à la surveillance de la maison de Josiane Boulet. Oui, elle est sous la responsabilité de Roussy. C'est bien. Je suis content que tu la fasses participer à l'enquête. J'aurais pas aimé qu'elle se sente un peu rejetée. Ne t'inquiète pas, elle s'intègre parfaitement, ta petite protégée. Par ça? Par ça, je te sens soucieux, Philippe. Soucieux? Non, pas du tout. Enfin... Viens t'asseoir 2 secondes, viens. Autant te le dire, on m'a proposé un poste à Strasbourg. Tu es muté? Pas vraiment muté. C'est une société privée qui me propose de devenir le directeur des ressources humaines. Je comprends mieux. Le sous-préfet, la mystérieuse dame à la voiture. C'est Caroline. C'est une vieille amie, c'est tout. Il se trouve qu'elle vient d'hériter de la société de son père, une société de conseil en informatique, voilà. Et elle la restructure entièrement. Alors elle a pensé à moi. Super. Tu vas accepter? C'est pas impossible. J'imagine que tu gagnerais le double. Plus que ça. Et elle est mariée, cette vieille amie? Divorcée. J'en étais sûre. Ah non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Réfléchis bien, Philippe. Je ne fais que ça. Alors choisis ce qui est mieux pour toi. Enfin, il faut quand même que tu saches que ça me ferait de la peine de plus te voir. Jeunes gens, on nous a livré un cadeau cette nuit. Un cadeau? Un cadeau de qui? Ah, j'aimerais bien le savoir. Peut-être pas, après tout, autant qu'il reste anonyme. Bref, quelqu'un a déposé ce paquet dans le hall. Quelqu'un de très discret. Et j'aimerais le remercier. Mais c'est quoi ce cadeau? Vous pouvez regarder. Un ordinateur, mais c'est le nôtre. Ça lui ressemble, hein? On l'a retrouvé, c'est cool.
Le voleur a eu des remords. L'ordinateur n'a pas été volé, juste emprunté, et je sais gré à l'emprunteur de l'avoir rendu non seulement si vite, mais également apparemment en bon état. Voilà, l'incident est clos. Tu sais, je me demande bien ce qui a poussé l'emprunteur à le rendre si vite. Il a peut-être pensé qu'un ami, c'était plus précieux qu'un ordinateur. Bon allez, Hatshepsut nous attend. On s'y met ? On s'y met. Bizarre cette camionnette. Matriculation illisible. Les vitres avec du plastique à bulles à l'avant. Josiane Boulet, gendarmerie nationale. On est posté juste devant chez vous. On vient de repérer un véhicule suspect qui vient de s'arrêter. Donc vous ne bougez pas, vous ne sortez pas de chez vous, d'accord? C'est une question de vie ou de mort. Oui, d'accord. Non, j'ouvre pas. À personne. Oui, j'ai compris, merci. J'emmène Tony à l'école, ensuite je passe chez Dédé. Il a peut-être un boulot à me proposer. Je serai là vers 11h midi. Ah non, 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 tu sors pas, Gilbert. Tu dois pas sortir. Et Tony non plus, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, il y a un tueur qui rôde près de la maison et c'est après moi qu'il en a. Voilà. Un tueur, mais t'es folle. Qu'est-ce que tu me caches, Josiane? Oh, qu'est-ce que tu me caches à la fin? Ah, hey, ne crie pas. Regarde, tu fais peur au petit. Ça sent pas bon, là, non? Qu'est-ce qu'on fait? On enfile les gilets pare-balles. Vous allez sortir? Ouais. Vous ne bougez pas d'ici sous aucun prétexte, d'accord? Et si le type rentre chez Josiane? Je m'en occupe. Vous ne sortez pas d'ici. Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous appelez du renfort. Hein? Ok. Marianne, bougez pas. Parlez pas, je vais appeler du renfort. Bougez pas. Bravo, ici Charlie. Affirmatif. Oui, j'ai besoin de renfort. Appelez le SAMU, j'ai un blessé grave. Bien reçu. Les secours vont arriver, tenez bon. Hein. Tenez bon, vous en faites pas, Marianne. On va vous sortir de là. Hé, toi là-bas, oh, tu m'entends? Sors de là, t'es cuit, mon vieux! Oh, mais t'as entendu les coups de feu quand je t'ai dit qu'on veut me tuer, merde! Mais qui, quoi, pourquoi? T'as fait quelque chose, Josiane? Réponds-moi, t'as fait quelque chose? Arrête de crier, hein, s'il te plaît, hein. Ça change rien et ça sert à rien! Je suis chez moi, je crie si je veux, merde! Moi aussi, je suis chez moi, et sûrement plus que toi! Ah ouais, pourquoi ça? Ouais, parce que je paye. Ah ouais, tu payes, hein. Tiens, je l'attendais celle-là. Mais oui, je paye. Je paye tout. Je paye le loyer, je paye la bouffe, je paye même tes clopes! Et puis tu t'es jamais demandé comment, hein? Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là, hein? Qu'est-ce que t'essayes de me dire? J'essaie de te dire que c'est pas avec mon seul salaire de vendeuse qu'on peut assumer les frais de la maison, Gilbert. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand je termine, à 16h, et ben jusqu'à 19h, je vois des temps. Parlez pas. Bougez pas, bougez pas. Ne parlez pas. Bravo, ici Charlie. Notre type s'enfuit en direction de Bar-sur-Loup. Prenez-le en chasse. À tous, direction de fuite plein nord. Bloquez toutes les routes d'accès. Placez des herses. N'oubliez pas qu'il tient un enfant en otage. Vous ne tirez pas. Surtout, vous ne tirez pas. Bien reçu, lieutenant-chef.
ne doit pas être bien loin. Là, je le vois, il a bifurqué sur la droite. Ok, je l'ai en visuel. Du tunnel. On va essayer de le coincer à la sortie. Ok, je me positionne. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il devrait déjà être sorti. Il est ressorti de l'autre côté. Demi-tour, allons-y, vite! C'est lui. Il a le gosse. Il va le tuer. Alpha, Delta, vous me recevez? Prenez le relais. La moto se dirige sud-sud-est. Essayez de l'intercepter. Près du lieu-dit Saint-Lambert. On ne peut pas se poser. Je vais me faire élitreiller pour récupérer le gosse. Delta, Alpha, bien reçu. On se met en stationnaire à la verticale du gosse, compris ? Affirmatif. Je vais descendre. We'll be right back.
gosse n'a rien. On rentre à la base. Bien reçu. C'est bien passé? Moyen. Faut pas traîner. Il y avait des flics devant la maison. Je crois que j'en ai descendu un, une femme. Merde! Ouais, j'ai dû prendre un otage aussi. Je t'expliquerai. T'es complètement dingue. Mais c'est pour ça que je t'aime. Et moi, je pourrais mourir pour toi. Jamais. Jamais tu mourras comme notre amour. Faut y aller là. D'accord, d'accord. Très bien. Merci, docteur. Elle a perdu beaucoup de sang. Le médecin ne veut pas encore se prononcer, il faut attendre. Pour vous, Marianne, c'est de ma faute. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle vienne, en plus. Mais non, Roussillon, j'avais approuvé et je l'avais même souhaité. J'aurais dû la protéger, je m'y étais engagé. Personne ne vous reproche rien, Pierre. Mais j'aurais dû la mettre en garde, lui dire de se plaquer au sol ou de descendre du véhicule, je sais pas. Le responsable, ce n'est ni vous ni moi. Le responsable, c'est ce salaud qui lui a tiré dessus. Faut le coincer, Isabelle. Ce salaud, c'est peut-être une femme, capitaine. Une femme? Oui, c'est ce que dit le petit. Le témoignage n'est pas fiable, il a à peine 6 ans, ce gosse. À 6 ans, on sait reconnaître un homme d'une femme. Il a pu la décrire? Non, elle était toujours casquée, mais il l'a entendu parler. Ouais, autant dire que ça ne sert à rien, quoi. Je sais que ça peut paraître stupide, mais j'ai envie de croire l'enfant. S'il dit que c'est une femme, c'est que c'est une femme. En tous les cas, il ou elle sait se servir d'une arme. Il ou elle sait conduire une moto. Bien. Heureusement, Josiane Boulet est sauvée et son fils aussi. C'est déjà ça. Faut que j'aille l'interroger le plus vite possible, capitaine. Allez-y. Réfléchissez bien. Non, je l'ai jamais vu. Je vous l'ai déjà dit, je le connais pas, je connais pas de Boris, je vais pas l'inventer pour vous faire plaisir. Et lui? Vous le connaissez? Non. Non, lui non plus. Vous êtes sûr? Regardez mieux. Si, lui, je le connais, je l'ai déjà vu. C'est à lui que je donne mon enveloppe. À chaque fois? Ouais, tous les mois. Florent, j'écoute. Oui, Platon. Très bien, j'arrive. C'est bien, il nous a rien eu. J'ai pris qu'une enveloppe une fois, une seule fois, le jour où on m'avait arrêté. Alors? J'ai le renseignement pour Didier Geller. Il n'a pas de permis moto. Par contre, sa femme en possède. Elle a même participé à des courses d'enduro au Touquet il y a quelques années. Vous pouviez pas le dire plus tôt. Qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? Moi, j'ai quelques questions à lui poser. Bonjour. Bonjour. On a essayé de vous appeler, mais ça ne répondait pas. Ah bah, c'est normal parce qu'on vient de rentrer. Vous auriez dû essayer sur le portable. Ça ne répondait pas non plus. Ah bon? Bah c'est curieux parce que je laisse tout le temps branché. Merci. Oh, j'ai bien pu le mettre. T'as pas vu mon portable? Ah non, non, je l'ai pas vu. Ne vous inquiétez pas, il doit pas être bien loin. Moi aussi, ça m'arrive. Dites-moi, Agnès, je ne savais pas que vous aviez votre permis moto. Moi, absolument. Je l'ai passé il y a 4 ou 5 ans pour épater un copain. Moi, je m'en suis pas beaucoup servi. Sauf pour participer à une course d'endurance au Touquet, quand même. Oui, enfin, je lui avais déconseillé de la faire, cette course. D'ailleurs, elle s'est cassée la figure au bout de 2 tours, tu te souviens? C'est vrai que j'étais pas très douée. Et vous la rangez où, alors, cette moto? Ah, il y a longtemps que je l'ai vendue. Bon.
Mais je crois qu'on va vous laisser. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, vous êtes toujours les bienvenus. En fait, afin de clore le dossier, j'ai besoin de savoir où vous étiez ce matin. Alors je peux vous certifier qu'Agnès n'a pas bougé de la maison. N'est-ce pas, mon ange? Ouais, oui, j'avais pas de visite à faire ce matin, alors pour une fois, on a profité pour faire une grasse matinée. Parfait. Tout est clair maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je comprends pas. Si vous les croyez coupables, il faut les placer en garde à vue. Oui, ceux de là, ils ont mis leur petit numéro 13 au coin. À mon avis, ils parleront pas. Il faut les coincer avec du solide. L'argent, la moto, l'arme du crime, des choses comme ça, quoi. S'ils sont aussi malins, ils ont dû faire disparaître les preuves compromettantes. Une moto, ça s'escamote pas comme ça, Rivière. Ils ont dû la planquer quelque part. Dans un endroit isolé, où il n'y a pas de voisins, personne pour surveiller leurs allées venues. Messieurs, vous restez ici, vous bougez pas. Et si jamais ils sortent, vous les suivez, d'accord? Compris, adjudant-chef. Merci. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, son histoire de portable? Ouais, elle avait l'air contrariée de ne pas le retrouver. Imaginez qu'elle l'ait perdu ce matin, pendant sa chevauchée fantastique. Je vais demander à ce qu'on passe tout le trajet au Peng Fa. En tout cas, la partie qu'on connaît. Il y a peut-être plus simple, Isabelle. Oui? Avec son numéro, pour peu que son portable soit resté allumé. On doit pouvoir le localiser. Platon doit pouvoir nous arranger le coup. Qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? Quelle conne je suis. On ira le chercher plus tard, ton portable. Ils vont pas nous surveiller pendant des semaines. Ils ont rien contre nous. Ils ont aucune preuve, ils en auront jamais. Je sais pas. Cette femme, je la sens pas. Cet imbécile de Josiane qui a dû parler. Et après, c'est pas un crime de faire le facteur. Ça vaut quoi, 3 mois avec sursis, tout au plus? Non, il faut s'en tenir à notre version. Boris, toujours Boris. Moi, je suis rien, et toi, t'es même pas au courant. Je t'aime. J'écoute. Oui, c'est Florent. Vous pouvez lâcher la surveillance. Vous voulez qu'on rentre? C'est ce que je vous demande. Vous rentrez. T'avais raison, ils en ont déjà marre. Ah ouais? Oui, bah méfions-nous, c'est peut-être un piège. Oui, enfin, s'ils nous suivent, on les repérera vite, hein, tu viens? Maintenant? Oui, il faut récupérer le portable. Bon, bah d'accord. S'acheter une maison à nous. Ouais, enfin, on a encore rendu compte. Hein. Nos sources de revenus sont mortes. Ne t'inquiète pas, on va en trouver d'autres. Enfin, ici, c'est un peu râpé. Sur Nice, il y a sûrement du potentiel, mais il faudrait être encore plus prudent. Ouais. Mais tu crois pas qu'on serait plus peinard à Paris? Pourquoi t'es pas bien ici? Avec toi, je suis bien n'importe. Bon, on prend le fric et on met le feu au hangar. C'est sûr? Mais oui, avec le feu, plus de preuves, plus de traces, plus rien. Il n'y a jamais eu de chantage, il n'y a jamais eu de meurtre. Faudra s'en débarrasser, hein. C'est trop compromettant. Oui. Qui ça peut être? Je sais pas, moi. Décroche. Allô? Bonjour, c'est l'adjudant-chef Florent. Vous êtes Agnès Geller? Oui. Je vous dérange? Non, non, vous me dérangez pas. Vous avez fini par retrouver votre portable? Oui, j'ai retrouvé mon téléphone dans une poche. Vous aviez dû l'oublier ce matin quand vous êtes sorti. Comment? Il devait être sûrement dans votre combinaison. Quelle combinaison? La combinaison qui est devant vous, près de la moto. Oh, vous croyez maligne, hein? Eh bien, pas tant que ça, parce que vous êtes morte.
Agnès. Agnès. Je crois qu'il vous manque le chargeur. À votre place, je bougerai pas. Grâce à votre portable, on n'a pas eu trop de mal à vous localiser. Jean-Claude, qu'est-ce que c'est ? C'est un bel endroit ici. C'est calme, c'est bucolique. Très au point, votre petite combine. Une SARL à trois actionnaires. Vous et le fameux Boris. Un actionnaire virtuel, en quelque sorte. Un personnage que vous avez inventé toute pièce au cas où les choses tourneraient mal pour vous. Très au point, votre petit numéro, monsieur Geller. C'est pas moi, c'est Boris. C'est lui le chef. J'ai fait ça pour lui rendre service. Vous étiez si convaincant, on a failli vous croire. Seulement, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que l'une des trois femmes que vous raquettiez, la jeune Delphine, ait le courage de porter plainte contre vous. Elle l'a payé de sa vie, d'ailleurs. D'accord, monsieur Geller, ce n'est pas vous qui l'avez tuée, puisque vous étiez dans nos locaux à cette heure-là. Mais Nicole Ronel, qu'est-ce qui l'a assassinée ? C'est vous ? Alors c'est vous ? Vous le saurez jamais. Vous croyez ça ? On parlera pas. On fait qu'un. Lui c'est moi et moi c'est lui. C'est beau. C'est très beau. Il faut quand même que vous sachiez que le meurtrier n'échappera pas à la prison à vie. Alors que son complice, lui, n'y coupera que de quelques années, sans compter les remises de peine. Alors c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous préférez ? Meurtrier ou complice ? Vous ne séparerez jamais. On s'aime. Ça vous emmerde, hein ? Vous savez sans doute pas ce que c'est, mais nous on s'aime. On a tout fait ensemble, tout et depuis le début. On a appuyé sur la gâchette ensemble. Je m'incline. Bravo. Vous confirmez, monsieur Geller ? J'ai pas tué. Didier. J'ai pas bien entendu, vous pouvez répéter. J'ai tué personne. Je voulais pas qu'on aille aussi loin. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui a tout organisé. J'ai tué personne, c'est elle qui a tué tout le monde. J'ai rien fait. T'es minable, vraiment, t'es un minable. Allez, emmenez-les. Oui, tant mieux, merci beaucoup. On est tous soulagés, merci. Merci, docteur, au revoir. Isabelle ? Oui. Tu es le docteur, Marianne est sauvée. Oh, quel soulagement pour nous tous. Je ne me le serais jamais pardonné. Moi non plus. Deux beaux salauds. En tout cas, leur histoire d'amour n'aura pas duré longtemps. Ils se haïssent déjà, ils se rejettent la faute. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Oh, ça c'est mon côté midinette, tu sais. J'ai toujours aimé les histoires éternelles, indestructibles. Il en existe encore ? Ben, j'espère bien. Ah, au fait, Isabelle, tu sais, j'ai pris ma décision pour... Tu sais, je t'en ai parlé, là. Oui ? Et alors ? J'ai refusé la proposition de Caroline. Je reste. Décidément. Il n'y a que du bonheur aujourd'hui. Et pour quelle raison ? Il y avait elle d'un côté, il y avait toi de l'autre. Et voilà, j'ai choisi. Flatteur. Et plutôt que tu as eu peur d'elle, je me trompe. Ah oui, complètement. Excuse-moi, ma chère, mais pour une fois, tu te trompes. Remarque, ça me va très bien, hein, comme idée. Tu es restée pour moi. Oui. Rien que pour moi. Voilà.